Yo yo, c'est Poète, petit père de YouTube, j'espère que vous allez bien. Normalement, ce soir, on devrait peut-être avoir un petit peu de monde avec un peu de bol, si les gens viennent. Je suis pas trop sûr, mais on verra bien. J'ai fait mon annonce un peu plus tôt ce coup-ci sur Facebook pour essayer que ça soit. N'hésitez pas d'ailleurs à venir dire bonjour sur le groupe, comment ce groupe Facebook des Full Setter Gamecube. Vous serez accueillis, bien accueillis si vous avez des questions, etc. Il y a plein de gens super sympas, des belles choses à voir, des belles choses à vendre, des belles choses à acheter. Enfin voilà, n'hésitez pas à venir dire bonjour à MC4 sur le Full. J'y arrivais, sur le topic Full Setter Gamecube sur Facebook. Je suis présent dessus aussi, hein, je squatte un peu dessus. Malheureusement pour eux, je squatte un peu dessus. Encore une petite soirée spéciale du coup YouTube, on continue sur du jeu Jap. Ça, on va jouer, ça fera venir les gens, comme il dit. Quelques belles pièces Jap d'ailleurs. Un truc en particulier qui est super intéressant. Alors je vais les mettre à plat pour pas les faire tomber quand je vais les retirer parce que ça tient tout. on va commencer par celui-ci. Celui-ci. Oula. On est un petit peu bas. Hop. J'ai remonté un petit peu ça, je suis désolé. Pouette. Hop. Attendez, juste 2 secondes, le temps que je règle cette caméra. Ça peut arrêter de bouger, c'est bien, nickel. Donc on va commencer par celui-ci, le Castle of Shikigami, donc qui est un des boîtiers un peu marrant d'avoir de la console, c'est-à-dire que ça c'est la largeur du boîtier du Castle of Shikigami, et ça c'est la largeur d'un boîtier standard, je vous le demande japonais comme ça pour ceux qui ne comprennent pas. Merde. Ah, chier. J'en ai pas un full jap là, si. Je voulais pas que vous voyiez le nom pour le suivant, pour la suite. Ça c'est un boîtier standard japonais, et ça c'est le boîtier... la largeur du... Donc en fait, juste le seul truc qui est en plus là-dedans, bah vous allez voir, je vais vous le montrer. Donc Castle of Shikigami qui est un shmup. Hop. Oh, on peut même vous le tendre. Attendez, je peux même passer comme ça. Comme ça, vous allez mieux voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a de bien beau? On a un super petit objet un peu trop mignon. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est juste d'abord sortir le jeu. Parce que le jeu... me bloquer pour sortir ça. Donc c'est exactement la même pochette hein, que ça aussi qu'il a mis, vous voyez, c'est exactement la même pochette que le bazar. Et ici, qu'est-ce qu'on a de beau dans cette belle boîte? On a un petit chat trop mignon. Vous savez, c'est les petits chats porte-bonheur là, qui promènent la patte. Et ben donc on a ce petit chat trop mignon qui est inclus dans cette espèce de pack. Alors celui-ci maintenant il commence à être du moins en France il est pas forcément facile à trouver. Il y en a quelques-uns qui se vendent. Je dirais par an, vous en avez 3 qui se vendent par an, peut-être. Un truc comme ça. Souvent, c'est que le jeu. C'est assez rare de le voir complet. Donc forcément, quand vous l'avez complet, ben c'est intéressant. Les prix sont pas forcément cool. Mais c'est intéressant de le trouver complet, parce que vous avez donc ce petit chat qui est dans sa boîte. Alors, je peux le sortir, on peut voir la qualité du truc comme ça. Le sortir, je sais même pas s'il a déjà été sorti. Je pense que le mec qui me l'a fourgué, il n'a jamais sorti de sa boîte. Parce que, quoi que si. Ça va être craqué du plastique et tout, donc peut-être. Hop. Le petit chat qui est assez lourd quand même, qui est assez lourd, mais on a des petites je vais essayer de vous montrer un peu plus proche. Le petit chat, il est pas trop mignon celui-là, franchement trop mignon. Hein. C'est de la résine, hein. C'est bien de la résine. Bon, made in China, mais bon, on peut pas tout avoir, hein. On peut pas tout avoir. Donc du coup, avec son petit foulard derrière, alors le petit foulard qui tient, mais qui est vraiment, beaucoup trop fragile pour être manipulé. Mais voilà, vous avez le petit foulard derrière, je vais le remettre à sa place, hop. Et donc bah ça, alors aucune idée de pourquoi ils sont amusés à faire ça, et on verra un petit peu dans le lore du jeu, ils ont fait un truc particulier pour cette pièce-là. Et c'est donc le petit chat qu'on retrouve évidemment sur la boîte, que vous avez sur la boîte forcément. Hop, alors on va fermer ça, on va mettre la boîte à peu près en position pour remettre la caméra. Hop, voilà. Et donc le jeu qui est vraiment, le mec en a pris très énormément soin. Il y a un coin qui est légèrement frotté mais c'est tout, c'est vraiment minime. Et dedans, qu'est-ce que vous avez? Pas grand-chose de plus que d'habitude, une carte Nintendo, le petit livret qui va bien, etc. qui vous explique un peu comment ça se passe, comme il dirait. Hop. La musique, oui, la musique est de chez Easyok, donc si vous voulez aller voir et faire un tour, n'hésitez pas. Il fait de la musique rétro, voilà, mais complètement
enfin retravailler, etc. Aux versions actuelles qu'on peut, ce qu'on peut avoir, qu'on pourra avoir avec des bons synthés, etc. Enfin des bons synthés, des bons sons MIDI, etc. Voilà. Donc c'était pas aller dire bonjour, enfin à Isioc, il fait des leçons sur YouTube et sur j'ai mangé le nom, bref, enfin sur plusieurs trucs, donc vous pouvez le trouver sur Isioc un peu partout. Vous tapez Isioc, vous cherchez, vous trouvez. Je vous mets dans le chat. Hop, si jamais vous cherchez. Isioc, comme ça. Tac. Comme ça, vous aurez le nom de la personne qui fait la musique. On va couper d'ailleurs la musique. Et on va partir sur du... Sur comment... Hop. Sur quelque chose de... Merde. Alors attendez. Je reviens un coup en arrière. Hop là. C'est bon. Hop. Voilà. On va remettre ça comme ça. Et on va lancer la bête. La bête. La bestiale. Merde, j'ai pas le même matériel à côté. Oh. Compliqué. Jouer sur le petit écran, ça va rappeler des mauvais souvenirs. Et je vais mettre le nom de titre à jour quand même. Hop, titre à jour quand même, excusez-moi. J'arrive, parce que forcément. Hop. Tac. Castle of Shikigami. Aucune idée de ce que c'est que Shikigami. Si vous avez la traduction, n'hésitez pas dans le... N'hésitez pas à me dire ça. Clac. J'en sais rien, on va dire oui. On va dire oui pour l'instant, puis on verra. Ok. J'ai pas donné les... Effectivement, j'ai pas donné... Hop. Les studios, etc. Donc KSG qui a bossé là-dessus. Alpha System. Et après, je ne sais pas grand-chose de plus dessus. Nombre de joueurs, etc. C'est pas marqué. Mais on verra. Arcade mode. Oula, je sens que ça va être très très petit. Oui, ça va être très petit. Je suis désolé d'avance. Ils auraient pu faire un écran un peu plus grand. Ouf. Comme ça. Hein. Ok. Oh. J'aime pas trop ça. Ça c'est pas mal. Pas mal. C'est le petit son du chat. J'aime bien celui-ci. Ah bah c'est celui avec le chat en plus. Alors, on va jouer ça. Apple shoot. Maintien. Ah ça fait ça. Ok. Ok. Ok, bon, on verra bien. Allez, on y va. Zeberdi. Salut Aniki. Ah mon dieu. Il y a beaucoup de trucs qui volent. Je vois pas tout ce qui se passe, c'est trop compliqué. Vous connaissez tous mon niveau là-dessus. Ah je me up, ah ouais, bah ouais, on commence bien. Ah bah j'avais annoncé sur comment j'ai annoncé sur Facebook. J'ai mis la liste sur Facebook si jamais tu veux aller dire bonjour. Je suis allé voir. Castle of Shikigami, alors aucune idée de si c'est le 1 ou pas. Non, c'est le 2, excuse-moi, c'est le 2. Il y a un 2 dessus. Bah, il y a un 2, gars, de là. Il y a le 2 ici, là. Je sais pas si tu vois bien, hein. Je sais pas si c'est sur un téléphone ou sur un. Non, c'est donc bien le 2. Tant pour moi. Ah! Ah, j'ai déjà réussi à mourir. Je viens d'arriver sur mon premier boss et je suis déjà mort. C'est terrible.
Avec les petits bruits de chat derrière. Tu vas sur PS2? D'accord. Ah du coup uniquement en Jap ceux-là, hein. Ils sont sortis uniquement du côté japonais, hein. Il me semble. Hein. J'ai un doute, mais il me semble que ceux-là sont pas sortis du tout. Par contre ça fait bizarre que l'écran soit si petit que ça, ça me fait très bizarre. Ah oui, c'est vrai que j'ai ce pouvoir là aussi là. Kamehameha. Pardon. On est pas dans le bon, on est pas dans le truc. En pâle. OK. Ah, c'est cool. Bah du coup, c'est bien du coup si ça sortir en pâle aussi. Ça vous pouvez le trouver sur PS2 du coup. Voilà, Aniki vient de vous lâcher un tips intéressant plutôt que le payer une couille sur GameCube. Vous pouvez le chercher sur PS2. Ça vous coûtera bien moins cher. Et parce qu'on est comme ça, on a des petits tips. Alors, du coup c'est bien fini du coup hier soir, Niki, tes jeux d'ailleurs. Ça a été Megaman, t'as réussi à le... T'as réussi à y aller ou quoi? Je crois que j'aurais pas dû faire ça, hein. Ouais, surtout qu'en plus le boss arrive. T'as réussi à le finir ou pas ce boss hein? Oula. Omaya. Pour la traduction, vous voyez ça avec Aniki, d'accord? J'ai rage à la fin du niveau de base. Du coup, je suppose que ça pète si bien que ça. Merde! D'accord, donc je peux détruire les trucs rouges, pas détruire le reste. Chaud, hein. J'en prends plein la gueule. J'en prends plein la gueule. C'était normal. C'était attendu. Hop, on l'a niqué. J'ai ok, je vais en enfer. Ah, t'as fait le petit premier level quand même. Ah, ça va. Tu t'es pas arrêté au bout de 5 minutes. Ah, donc en plus de la traduction en direct, hein. Ah ouais, on est... C'est comme ça, c'est un stream qualitatif, si vous voulez. Quantitatif par le nombre de jeux qu'on va aborder ce soir, et qualitatif par le... Parce qu'on a la traduction en direct et tout. Par contre, je trouve que le surjeu à chaque fois des trucs en japonais, c'est quand même... Alors, je pense que c'est lié au phrasé, mais ça fait très très bizarre à chaque fois. Là. T'as l'impression que c'est surjoué tout le temps, c'est terrible. Enfin, du moins, ouais, forcément, dans ce style de jeu. Alors, je sais pas si c'est lié à ce style de jeu ou quoi, mais. Ou juste à la phrase, la façon dont elle parle. Mais c'est toujours l'impression que c'est surjoué quand c'est. Quoi? Comment ça? Ah, il y a la boule bleue devant, j'ai pas fait gaffe avec la boule bleue devant. Maman. Meurs. Il y a beaucoup trop de trucs à l'écran là. Je suis désolé pour les yeux, parce que c'est épileptique. Il s'est donné à fond, ça l'est pété jusqu'à. Merde! Je suis mouru! Je suis remouru! Ah, je récupère 3 bombes à chaque fois que je meurs, d'accord, hein, bon à savoir. Taillot! Ah, de nouveau un boss. Oh là là là, il y a beaucoup trop de trucs là. Beaucoup trop de trucs à l'écran. On va lui péter un peu ses dents d'abord. S'il vous plaît. Allez, donnez-moi la deuxième barre s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais avec tout ça moi?
Non, 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 j'ai crevé. Oh, tout juste. Ah, en fait, faut vraiment lui démonter sa mère. Faut pas être aucune pitié, quoi. Oh, pardon. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ah, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Ça passe, ça passe. Très dur en direct. Je vous invite donc vivement à venir en live, voyez, puisque. On joue au Manic Shoot. J'ai réussi. Il a gagné. Il l'a fait. Pourquoi est-il si fort? Oui, je sais, je sais. Parce que j'ai beaucoup de... Comment de continu, c'est pour ça. Pas limité dans les continues. Non, c'est dingue, par contre, pourquoi à chaque fois je suis toujours dans le top alors que je fais de la merde? Je suis mort... Là, je suis mort deux fois, là. Bon, je sais pas. Peut-être normal. Par contre, il est beau. Enfin... C'est dommage qu'ils aient mis un gros overlay comme ça sur les côtés. Ils auraient mieux fait de mettre un truc quasiment tout d'écran, quoi. Ça aurait été un peu plus sympa. Après, je pense que c'est un truc qui est tiré de l'arcade, tous les coups. Je sais pas du tout, je connais pas du tout... Ce shmup là des bases, donc... Juste, je sais que quand je l'ai récupéré, j'étais en mode... Ah, mais c'est un shmup, en fait. J'ai vu un jojap, un petit peu plus cher que ce que j'ai l'habitude d'acheter. Ah! Je me suis dit, tiens, bah, ça peut être sympa. Et en fait, bah oui. Il y a beaucoup trop de trucs sur l'écran. Stop! Arrêtez! S'il vous plaît. Tu sais ce qu'on peut des trucs comme les boulettes rouges. Ça, quand même, c'est quand même bien, bien, bien cool. J'aurais dû prendre un autre personnage parce que celui-là, il. Maman, 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 maman. Ah, shit! Crève! Crève! Ah! Mais ouais, mais il y a trop de trucs violets là. Comment j'évite tout ça? Game over. Bah voilà. C'est fini. Oh, t'as quoi que ça vient de l'arcade? D'accord. Comme presque toutes les shmup. Ouais. Mais après, je sais pas. Si, les, ça vient d'arcade aussi, les. Comment? Les R-Type? Je sais pas. Si, ben, il y a sûrement eu une bande d'arcade de créer R-Type, mais je sais pas si. J'ai aucune idée. Enfin, franchement, tous ces jeux-là, en fait, c'est des. Enfin, j'ai jamais trop fait de bande d'arcade. À part aussi les Time Crisis, parce que j'ai Time Crisis, j'ai pensé Time Crisis, etc. Mais. T'as eu des suites? Ok, la suite de ça, ok. Du coup, je suis où là? Je suis nulle part, hein. On est bien d'accord, hein. Ouais, je suis nulle part. Je suis mort trop tôt. Je suis. Mon petit corps est mort trop tôt. Gradius, ok. Ouais, après, je pense qu'il y a. Enfin, il y a sûrement des trucs un peu. Démonstration game over, mais non, mais c'est bon. Il y aura un extrême, ça donne quoi ça? Extreme game? On peut essayer un coup en extrême, hein. Pour rigoler. Pour rigoler. Et alors c'est pas celui-là que je voulais. C'était celui qui fait les trucs. Ah c'est ça, celui-là. Celui-là il fait les trucs bizarres et ça j'aime bien. Attention. Cette phrase sortie de son contexte. Je suppose qu'en extrême tu te fais toucher, tu meurs. En tout cas, à tout coup. Ah tout va. Oh, ça passe au fond du mur. On est bien. On est pas trop mal. Oh, il y a beaucoup trop de trucs. Oh mon dieu. Et même les petits mobs, ils lâchent plus de trucs que les boss de tout à l'heure, là. Non, mais c'est pas possible. Oh, t'as vu le bordel à l'écran? Non, mais... Oh, c'est une blague, comment je passe à travers tout ça, moi? Oh, ça passe crème, on passe, on est large. Si j'arrive à finir le premier level, déjà, c'est déjà pas mal, je pense, hein. Oh, beaucoup de trucs à l'écran là, on est d'accord, hein. Mon dieu. Là ça passe. Ok, on est bien. C'est passé. À gauche, retourne à gauche. Hop, on s'écarte, on repasse de côté. Oh mon dieu. Quel relou. Ah merde. J'ai pas fait gaffe, putain, j'ai fait gaffe mon téléphone, j'ai pas fait gaffe ce qui se passait, du coup. Putain, quel relou. Ah, ça me coûte trop de vie ou pas? Mon dieu. Ça passe pas. Ça passe jamais.
Ça passe jamais, ça passe jamais, ça passe jamais. Si, là ça passe. Level 2. C'est cool, c'est que quand tu le pètes, par contre, il a plus aucun moyen de te mettre la pression et c'est gagné. Ah, mais quel relou! Putain, je viens de dire non et... Désolé, j'ai un pote qui sait me téléphoner à tout prix. Oh mon dieu! Il y a beaucoup trop de trucs à l'écran! Alors je suis mauvais et en plus j'ai voulu jouer en extrême, j'ai fait une connerie je crois. Hein. Putain! Même en latéral quoi! Même en latéral je me fais shooter dessus quoi, je me fais tirer dessus quoi. Non, non mais attendez. C'est vrai qu'en fait il n'y a pas tant de shoot que ça comme horizontaux en fait. Enfin j'ai ça mais. Oh là là! Je sais pas comment je suis passé à travers ça. Hein. Ah bah c'est pas... Comment tu veux? Comment tu veux que je passe à travers ça? C'est pas possible. Non. Hop, allez, on met un coup de bouclier et puis tant pis. Hein. La flemme. Hein. Ouais, ça arrive. Au moins de 7e un premier boss, ça serait bien. Je sais combien de continues reste là, mais on 7e un premier boss au moins. Si j'arrive à passer celui-là déjà. C'est déjà tout à l'heure en normal il était chaud. Alors. Ok, premier level, deuxième level, il faut qu'on lui passe ça. Ok, 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 ok. Hop, et là, pour la charger le deuxième level. Ah, ça, ça va être tout à l'heure, ça va aller parce qu'elle faisait des gauches-droites. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, ça passe jamais, ça passe jamais. Il y a beaucoup de trucs. Oh, j'ai cru que la console, elle était morte. J'ai cru que la console était en train de mourir. Avec tous les trucs à l'écran. À un moment, ça a ralenti, je me suis dit en mode. Ah, mais en fait, ça y est, la console est en train de mourir. C'est parti. Bon, quand tu le trouves, du coup, Aniki, celui-là, là. Quand tu le trouves. Ah, il est en fait, entre les deux, entre ce qu'on a joué la fois dernière, là, entre le, comment, le Raji qui était vraiment, enfin, le Raji qui était très classique, ok. Ah, mais, je parle pas au niveau, difficulté, en fait, t'as vraiment une sensation comme une difficulté qui augmente, hein, entre les deux, hein. Typiquement, c'est ça qui était marrant, tu vois, dans la Radigi, t'avais pas la possibilité d'augmenter la difficulté. Et pareil, de côté, t'avais pas la possibilité d'augmenter la difficulté. Putain, y'a beaucoup trop de trucs à l'écran, c'est pas possible. Faut que je supprime tout ça, bah je suis mort. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais c'est sûr, en fait. Putain. Ah oui, c'est dur. Bah, franchement, il est. Dans l'ordre de difficulté, je crois que c'est Ikaruga. Ikaruga, c'est au-dessus de tout. Hein. Ikaruga, même le premier level, c'est déjà un folklore pour le passer. Alors, ouais, tant pis. Hein. Je bourrine comme un gros sac et puis on va passer ça comme ça. Hein. Et Ikaruga, je pense que c'est vraiment l'ultime. Ah, ok, excuse-moi. Pas de soucis. Vas-y, lance ta Wii U, t'inquiète, pas de problème. Quoi, tu joues à la Wii U? Tu me trompes avec cette console Mon dieu... Ah, je suis mort, là, c'est sûr. À moins que... Alors peut-être... Non, je suis mort. C'était sûr. On est en état 2. Ah, ok. Game over. Bon, j'ai même pas passé le premier boss. Enfin, j'ai passé l'autre boss, mais j'ai pas passé ce boss-là. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup. Le step-up est important. Hein. Step-up est important. Par contre, je vois pas les noms dessus, etc. Bon, c'est pas grave. Mais par contre, ouais, c'est. C'est pas la même. Hein. Ah, après, il est cool, je trouve. Il est cool, par contre. Tiens, je vais voir une démonstration un peu, voir ce que ça donne. Je laisse un peu la démo tourner 2 minutes. Juste voir comment ça se passe. Ah non, non, mais je rigole. Ouais, je m'en fous, tu peux stream en même temps, hein, j'ai pas de problème. Hein. Attends,
Chacun a un droit de stream. Par contre, il y a un bouton que j'ai pas compris, j'ai pas compris pourquoi on disait pour charger leur truc. Parce que visiblement, tu vois, je devais pouvoir faire ce qu'il est en train de faire, tu vois, avec son espèce de perso là, chelou là. Je devais pouvoir charger en fait, faire des trucs comme ça. J'ai pas trouvé le bouton parce que en fait, moi j'ai que A et. Enfin, A ça tirait, B ça tirait. Mais ça faisait pas ça. Il y a le X qui faisait le super coup là. Qui faisait les bombes, mais c'est tout en fait, j'avais rien d'autre. Et pourquoi tout a tiré vers lui là, au niveau de la thune? C'est quoi ce bordel? Moi toute la thune n'était pas tirée vers moi. Hein. Ah, je crois que j'ai pas dû comprendre les commandes. Je pense que c'est pour ça que c'était un peu dur. J'aurais peut-être dû essayer d'autres boutons sur les commandes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de remettre un coup en normal. Et je vais essayer les touches. On va le faire, tiens. Easy mode, je sais pas ce que c'est, l'easy mode, mais on va le démarrer comme ça, on va voir ce que ça donne. On va reprendre le perso qui était pas mal, là. Tu étais pas mal. Alors, ouais, mais je sais pas, mais c'est marqué shot et bombe, mais il y a pas les boutons en fait. Je vais essayer les boutons. C'est d'autres boutons pour voir. Ah mais ça c'est ok. Ça c'est le bouton de la guerre. Mais après comment tu... Z non plus, pas Z. D'autres gâchettes non plus. Le... Ah. Oh putain mais attendez. C'est quoi ça? Oh. J'ai un super pouvoir. Waza. Je peux péter les dents de tout le monde. En fait je bouge moins vite mais par contre je mets des dégâts de fou quoi. Ok. Oui mais en fait du coup tu fais que ça et t'as gagné non? Ah le problème c'est que tu peux pas bouger quand tu fais ça, d'accord, ok. Ouais bon après là vu comment tu leur baises la tête c'est forcément d'accord. Évidemment, si j'ai compris ça plus tôt. Ok. Ah, et en plus, quand tu maintiens A, ça te récupère toutes les pistes automatiquement. D'accord. Forcément, ça va bien aller, ça va bien mieux aller comme ça. Ça va forcément bien aller comme ça. Bon, ta musique, elle est cool. Plus de bombes. Je n'ai plus de bombes. D'accord, donc soit j'ai un bouclier, je peux... Ok. Donc là j'ai plus de bombes, donc ça va être plus compliqué. Oui, la madame, elle est pas contente. Boum! Facile! Finger in the nose. On monte un tout petit peu le son de votre côté, parce que je pense que c'est un petit peu bas.
Hop. Pas grand chose, mais un tout petit peu. Oula. Pas que ça bouffe les oreilles non plus. Je sais pas si on est bien ou pas. C'est comme ça, je pense comme ça on est bien. Ça va être comme ça pas mal. Pas trop mal comme ça, non même. Hein. Oui, c'est plus mieux. C'est plus mieux, là. J'ai même pas bouffé un continu là. Touloulou. Oh, comment ça? Eh, parce que c'est putain de boule bleue là. Oh non, un continu, ça y est. Premier continu. Attends, j'ai bouffé déjà continu ici. Hein. Ah, c'est bien mieux que tout à l'heure quand même. Le boss. Le boss. Les michons. Je sais pas ce que j'ai chopé, mais j'ai chopé un truc. Ok. Et le dernier. Et voilà. C'est fini. Ça va mieux, effectivement, une fois que t'as compris un peu comment les quelques trucs qu'il y avait à faire. Donc forcément, quand tu maintiens ouais, le truc, t'as le super coup là. Le sabre qui te sort du corps et... Tu peux faire tournoyer sur toi-même. Bon, c'est vrai que la vie elle est pas forcément très visible, c'est un peu dommage. On a du mal à voir facilement si on a encore beaucoup de vie ou pas et si on s'est fait toucher. Mais ils vont même pas en fait, donc c'est un peu dommage. Je sais pas ce que j'ai chopé, mais j'ai chopé un truc. J'ai utilisé des bombes alors que j'ai rien demandé. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je respecte. Ah merde! Et on fait tourner les serviettes. Salut mon Geldas. Je commence par le meilleur. Bah, je commence par celui que j'ai mis en premier sur la liste ce soir. Sega Sawa. Hey, c'est bon, on est bon. On est bien. Bon ça Geldas, passe une bonne journée. Bouge pas. Et c'est gagné. Bah, je commence par le meilleur, je commence par celui qui était devant. Ouais. Ah franchement, il est cool, mais en fait, il fallait comprendre le système de le principe de combat au début. Et j'ai fait un peu de la merde, donc forcément, ça aide pas. J'ai fait un peu de la merde au début, j'avais pas trouvé que tu pouvais envoyer du lourd en maintenant le bouton frapper. Et du coup, forcément, ça aide pas. Non, je rigole. Ouais, si tu veux, on peut se le refaire à la fin si tu veux, c'est pas grave, comme ça tu verras bien les premiers levels, etc. Et franchement, par contre, en extrême, la différence elle est vraiment énorme.
On est trop chier. Quoi? Ah merde, faut pas taper les blocs. Je commençais par la gauche. Oh, je suis un abruti. Mais il faut pas taper les blocs, d'accord. Les blocs te bloquent. Oh. Comment on passe là? D'accord, mieux. Ok, gauche. Puis droite. Ok, on avance un peu doucement. On va essayer aussi de se prendre tous les trucs. Oh mon dieu, oh mon dieu. Oh, oh mon dieu. Pourquoi des fois ils utilisent mon sort alors que... Ah, il y a un problème de bouton en dessous là. C'est pas... La manette, c'est la manette qui est avec la console et j'aurais peut-être dû garder ma manette. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? D'accord. Faut que je fasse des... Que je joue Tetris en même temps que je regarde ce que je fais, en même temps que... Ah mais quelle bande d'enquiquineurs. Attendez, excusez-moi. Qu'est-ce que je fais? Ah mais je suis bloqué là. Non? Il m'emmerde, désolé, je suis désolé, mon téléphone qui saute. Jap oblige. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? S'il vous plaît! Dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Ah mais j'étais mort là. Je suis mouru là, bah, qu'est-ce que... Je comprends pas ce qu'il faut faire. Da merde. Forcément il faut que j'avance là-dedans. Et comment... Il va falloir que je ravance là-dedans là? Non sérieusement? Il y a trop de trucs là. Je peux pas aller beaucoup plus loin là. Comment je fais là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, j'ai pas compris. Je suis désolé, j'ai pas compris ce boss là. Je suis my bad. Désolé, j'ai pas compris ce boss là. Attendez juste deux secondes. Je fais juste un petit truc, deux secondes parce qu'on me cassait les pieds sinon. Si j'envoie pas un message. Ils vont me casser les noix. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, putain. Attendez, je reviens, je suis vraiment désolé, je prends juste 2 minutes, je vous laisse avec le... Attendez, ce que je fais, c'est... Putain, il me casse les pieds. Je suis désolé, j'ai un pote qui me casse les pieds, j'arrive... J'en ai pour 2 minutes, je suis désolé. Je remets un tout petit peu de musique, je suis vraiment désolé, mais c'est... J'arrive. Je remets de la musique. Hop, je coupe ça, je vous mets de la musique, j'arrive.
Je vous jure, je suis désolé. Il y a vraiment des relous, quoi. Ah, il est pas méchant, il m'a porté une CRT. Alors, j'ai pas pleuré, mais bon. Putain, le relou, il m'a appelé 20 fois. Il envoie plein de messages. Bref, allez, c'est pas grave. Ion, un carré, taron, un carré, taron, t'es carré, allez. Bref. bisous YouTube. Merde, putain, YouTube, je vous ai laissé là-dessus. Je vous fais des bisous YouTube. Une bonne soirée. À demain, bon appétit. Enfin voilà, faites l'amour par les gars. À bientôt.